Ladies and gentlemen, the session will now begin. Please take your seats. Ladies and gentlemen, the session will now begin. Please take your seats. The session will now begin. Culture is a key component of the long-standing relations between Africa and Latin America. Both regions have been nurturing each other with cultural, artistic, and literary influences, setting the basis of a unique opportunity for further cooperation and collaboration. What is the role of culture in fostering Atlantic relations? Where can we find this mutual influence in transatlantic live in arts, movies, photography, and literature? Is African contemporary art and its global success a sign of a new transatlantic culture shared by Africa, Latin America, Northern America, and Europe? If so, how is this culture contributing to strengthening relations between the four poles of the Atlantic space? Ladies and gentlemen, please welcome to the stage our moderator for this session, Chairman and Editor-in-Chief of True Africa, Claude Grunitzky. So thank you very much for coming this late morning. This is the last session before lunch, and we're going to be talking about a very exciting topic with respect to our destinies as Africans and non-Africans, which is culture. So I'm really very fortunate to have a very distinguished panel of four very, very accomplished, I want to say mainly policymakers and politicians, but it's much wider than that because we have academia as well. So without further ado, I would like to welcome to the stage Mr. Mohamed Ben Aissa. Please, a round of applause. Normally, we start with ladies, but in this particular instance, you will come, if you don't mind sitting here. This is Asia Bensala Alawi, also from Morocco. If you can please welcome her to the stage. My third panelist, who's coming from the Azores, is Vasco Alves Cordero. Please sit here. And then our final panelist for this late morning is Paulo Paranagua, coming from Brazil, via Paris. If you can sit here, and then Paulo will sit here. Wonderful. So thank you for coming. I'm very much looking forward to this discussion. We have a bit more than an hour to explore a very, very wide topic. And I wanted to start with a very personal anecdote, actually, which relates to culture, because I've been a cultural and media entrepreneur my entire career. And 2 years ago, I was invited here to Marrakesh by the government of Morocco to organize a concert at the Palais Badi around the diversity of African culture. So we invited African musicians from Mali, we invited Salif Keita, we invited Angelique Kidjo from Benin, we invited here from Morocco, and we had a wonderful outdoor concert here in Marrakesh in November of 2016. And I've kept thinking of how much the government of Morocco has been doing to promote culture over the years,
And it really led me to think that I was really channeling the spirit of 1966. And the spirit of 1966 was the spirit of the FESMAN, which was the World Black Festival, which was held in Dakar, created by President Senghor. And it was a wonderful event because he brought people like Nelson Mandela, he brought people from the United States, Duke Ellington, he brought people, Bossa Nova leaders from Brazil. And it was really wonderful to see that Afro-descendants and Africans and non-Africans who really cared about culture were brought to one specific location to talk about how we could collaborate. And so I want to jump straight into a question for you, Mohammed, as somebody who's been at the nexus of cultural policy as Minister of Culture, as former Minister of Foreign Minister. How do you feel we have evolved since 1966 from a government policy perspective? What priority is culture for us now when we look at how governments feel about it? Well, generally speaking, as it has always been said, culture is the orphan child of any government in general. Culture has evolved now and then, occasionally, except for few countries, very few countries which have had a certain policy for culture. But the event of 1966, which you are talking about, it was the Festival of La Negritude, which took place afterwards, didn't last very long anyway. 77 was the last one in Nigeria. This was a big event, in fact, and we were looking forward to imitate Leopold Sédar Senghor in other countries. I was at the time stationed in Ghana, okay. You know, immediately after Nkrumah. And really, culture has been suffering a lot due to many reasons, partly because of the upheavals, you know, the region was not stable altogether, partly because of economic reasons, partly also of the exode of the intelligentsia. Many artists from Africa went to the north. But when you come to talk about specific examples, for instance, and you mentioned it, this country in Morocco, we have been, grosso modo, quite engaged in promoting culture and using it as stimulus to develop other sectors of the economy, other sectors of the social affairs in the country. But let me finish by saying, culture means also having institutions. It's not only having writers and philosophers and thinkers. You need to have institutions. You need to have theaters. You need to have galleries. You need to have, and this is where the government has to step in. Unlike what's happening in the north, we do not have in the private sector so many investments in the culture, unfortunately. Mohammed, is it institutions or is it individuals and leadership? I ask that question specifically because I see Mr. Azoulay here in the front row, who has been a leader in this field. I remember you invited me to Essaouira to a cultural festival back in June of this year, and you have been doing many, many things for the country with respect to culture. And is it perhaps one person who takes the leadership and decides, I want to do this, and then gets government support, or does it always have to start with institutional support? I believe that leadership is essential in anything. There's nothing you can do just by chance. You need one person or two or whatever who can lead and who can persist, who can be patient, who can find the resources to implement a cultural event. Naturally, and this is why, for instance, when we look back to countries like France, there was Mitterrand and Jacques Lang. See, the leadership played a major role in providing resources, etc. But without leadership, I don't think anything can work. This is very essential. Absolutely. And so if you were going to maybe summarize the reason Morocco has been so successful in promoting its culture, not just all over Africa, but in the outside world, how would you define the secrets of that success? To be frank, and I'm not saying this really by way of just saying nice thing,
It is due essentially to the king. His Majesty Mohammed VI has invested a lot of time, a lot of effort to promote lots of institutions to begin with in the country. You know, we are having the, His Majesty inaugurated the museum, the national, the gallery in Mohammed V, the Museum of Contemporary Arts. There's a big theater being constructed in Rabat and others in other provinces. Morocco is, there is a dynamism in it. But of course, the head of state sets up policies. It needs other leaders to implement them. That's where we come to ministers of cultures, to we come also to leaders in the civic society, like André Azoulay is doing in Sawera, for instance, and others. So it is really a combination of both leadership, means, and social actors. Wonderful. So it's that collaboration that you're fostering. I want to move to you, Asya, because you're also a high-level official. And we were having a discussion earlier about African culture, but from a historical perspective. So I wanted to also ask you how you feel we are succeeding or not succeeding now with respect to defining and promoting our African culture. Well, thank you very much. This is my first speech, so I would like first to thank Karim for having me in this very important session, because culture, unfortunately, is not given the importance it merits and it deserves. And very briefly, to respond to what you were saying about leadership, I cannot be here without having the emotion to think of one person. Mm-hmm. I'm sorry to be so personal, who has left us, unfortunately, and who was probably among the first ministers of culture, and who have endeavored to the revival of Moroccan culture, and this was Moulay Hamed Alaoui, who was at the same time Minister of Fine Arts, of Tourism, and of Handcraft, and you have here the link, you know, with the industry and with what is a country is about. But before doing that, let me just come to basics, and sorry, you know, to, because I have a different approach about the notion of culture, mm-hmm. as it seems to have been adopted. Culture is a c'est un concept plurisémantique, insaisissable de l'aveu même d'un des pères de la discussion sur la culture, Edgar Morin, car il y a plus de centaines de définitions. Donc il est impératif tout de même de cerner la question, de savoir de quoi on parle avant de parler de la culture. Alors pour ma part, pour les débats qui vont suivre, je souhaiterais vous soumettre très brièvement la conception de Edward Burnett Tylor, qui dit que ce tout complexe qui inclut les connaissances, les croyances religieuses, l'art, la morale, le droit, les coutumes et toutes les autres capacités et habitudes que l'homme acquiert en tant que membre de la société. Et cette approche est complétée par l'approche dynamique et fonctionnelle de M. Morin lorsqu'il nous dit que la culture structure et oriente les instincts, construit une représentation ou vision du monde, opère l'osmose entre le réel et l'imaginaire à travers les symboles, les mythes, les normes, les idéaux. Donc vous voyez quand même que ça nous mène beaucoup plus loin que la simple problématique de l'art qui est essentielle, mais, ou que le patrimoine historique. Donc moi ce que je souhaiterais dire, c'est que j'aimerais partir d'un constat d'évidence, même si notre session s'intitule, ou l'édition s'intitule « Beyond the Chokes », on ne peut pas faire l'économie du constat d'évidence que l'Atlantique est d'abord un espace d'échange. Ce double constat d'ailleurs, un échange intense à travers les siècles, mais un échange douloureux qui a été forgé par la colonisation et par l'esclavage et le commerce triangulaire. Donc il est clair que je ne vais pas m'attarder sur cela, tout le monde le sait. Mais les blessures et les stigmates restent vivaces. Et ça a été encore rappelé hier. Et malheureusement, elles perdurent à travers une hégémonie culturelle qui est encore présente et une hégémonie économique où nous avons du mal à exister. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il est impératif. Et on ne peut pas faire l'économie de parler de culture sans le travail que nous devons faire sur nous-mêmes, tous les stakeholders au nord et au sud, en particulier dans le Sud,
pour opérer cette revalorisation de nos cultures, cette réappropriation, cette réconciliation, pour passer justement, nous permettre réconciliation d'abord avec nous-mêmes et réconciliation avec l'autre, pour nous permettre de passer du ressentiment, qui est encore très vivace, au pardon et à la réconciliation. Et ce travail, bon, je suis heureuse que vous ayez parlé, je suis heureuse de voir André dans la salle, parce que cette problématique, le Maroc l'a prise très tôt, pour justement, à travers une identité qui est très forte, qui est pluridimensionnelle, la faire vivre tout en l'ouvrant sur le reste du monde. Et c'est ça notre problématique à l'heure actuelle, et c'est les pièges auxquels nous devons échapper, parce que ce travail doit être fait tant au sud qu'au nord, parce que l'Occident est encore coupable d'abord des vicissitudes et des souffrances infligées par le passé, mais également de cette hégémonie culturelle qu'il continue parfois à exercer sans discernement. Elle passe bien sûr, on le verra, par les majors de l'industrie culturelle, mais qu'il domine, mais aussi l'Occident doit également, au-delà des mea culpa, au-delà des excuses qu'il a pu présenter aux juifs et aux musulmans en Espagne, il doit, me semble-t-il, réviser les livres d'histoire afin de restituer quand même une certaine vérité historique et ne pas avoir ces visions biaisées. Il doit, au-delà des symboles qui parfois sont très forts, et je salue l'initiative de M. Macron de vouloir restituer les œuvres d'art à l'Afrique, les œuvres d'art volées, mais au-delà de tout cela, il faut impérativement que ces politiques commerciales, économiques, culturelles intègrent la dimension de l'autre, et notamment de la diaspora, des fils d'immigrés qui sont maintenant des Européens, des Américains, et qui ne sont pas traités par rapport à l'égalité qu'on leur doit. Donc je crois que c'est fondamental. Si on ne fait pas ce travail au sud et au nord, tout cela restera comme une sorte de replâtrage, d'autant plus que nous sommes confrontés au rouleau compresseur de l'universalité à travers justement les majors des industries culturelles, dont je parlerai par la suite, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Assia, pour cette contribution. Vous avez cité Edgar Morin. Et Edgar Morin parle beaucoup depuis une dizaine d'années de ce qu'il appelle la culture monde. Oui. Et comment une culture locale peut se propager à travers le monde. Alors, aujourd'hui, avec le basculement numérique, qui fait que l'instantanéité de la transmission d'informations fait qu'on a accès à tout, on aurait pu imaginer que ça ouvrait un potentiel énorme pour les cultures locales. Alors que ce qu'on voit surtout, c'est que sur YouTube et sur Facebook et sur les réseaux sociaux, les Africains et le Sud, le Global South, comme on dit aujourd'hui, consomment encore plus de contenu occidentalisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement valoriser nos cultures africaines dans un contexte de basculement numérique, sachant que notre culture africaine peut aussi se propager à travers le monde? Il est clair qu'elle est d'abord, on a le constat et la satisfaction de qu'elle est kicking and alive. Je veux dire, elle commence à être visible, et parce qu'il y a eu justement ces échanges, et qu'à travers l'utilisation des rythmes de la musique ancestrale, l'orchestration, les devices techniques, etc., lui ont permis de pouvoir justement s'intégrer dans cette musique monde. On le voit à Souera, mais on le voit aussi dans beaucoup de travail d'artistes européens. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on se raconte un petit peu trop d'histoire. La culture est également subversive. On le voit à travers le rap, à travers les revendications, justement, identitaires et tout. Donc, tout cela, c'est compliqué, parce qu'il faut qu'on arrive à dépasser tout cela sans déraper et sans tomber, justement, dans ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la radicalisation, les extrêmes, et qu'ils ne vont pas vers les convergences que nous souhaitons, même si, comme beaucoup de mes amis, j'estime que la convergence est extrêmement difficile pour donner une identité à un espace atlantique. Il ne faut pas rêver. L'identité est quelque chose de sérieux, de profond. Et les échanges et tels qu'ils sont faits à l'heure actuelle ne nous permettent pas d'être trop optimistes. Il faut développer les moyens de transport, la communication. Au-delà du digital, il faut transporter les gens physiquement. Car c'est quand même les échanges entre les hommes, entre les étudiants, entre la multiplication des partnerships. Et notamment, pour ma part, je plaide
pour les partenariats dans le R&D, recherche et développement, entre le Nord et le Sud. Et on pourrait peut-être tout à l'heure parler de l'exemple de l'université Mohamed VI Polytechnique, qui fait un travail remarquable de connexion entre le savoir fondamental du Nord, le savoir qui se développe sur place avec les ingénieurs et les savants marocains et africains, et la dissémination à travers l'Afrique, et fait par contre une jonction qui a un contenu économique et de valorisation pour notre futur. Et ces dimensions, on ne peut pas en faire l'économie. Car la culture, c'est aussi ça. La culture savante et la culture scientifique. Or, hélas, on assiste aussi à une espèce de décroissance dans la confiance que l'on met dans la science et sa capacité à répondre à nos problèmes à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, il y a tout un éventail de défis auxquels nous nous devons de nous attaquer, et on ne peut pas le faire chacun dans son coin, il faut qu'on le fasse ensemble. Et c'est là justement comment améliorer les échanges, comment fortifier les métissages, les hybridations, le cross-fertilizing, pour pouvoir justement atteindre des masses qui nous permettent à la fois de résister au rouleau compresseur qui va nous écraser, et aussi de revendiquer une identité apaisée, pacifiée. J'aime beaucoup le titre qu'André Azoulay a donné à son mouvement dès les années 70. Je l'ai connu, nous étions tous très jeunes à l'époque, qui était « Identité et dialogue ». Et si vous parlez de l'expérience marocaine, c'est ça, on y est à plein. Notre identité forte de ses composantes multiples, et je le remercie de faire vivre la composante hébraïque est fondamentale, mais qui est tout à fait ouvert sur l'extérieur et qui se nourrit de tous les apports et qui s'enrichit de tous les apports. Mais il faut que tout ceci soit fait à travers, M. Benissa a parlé des politiques, on ne peut pas faire l'économie des stratégies. Il est fondamental d'avoir des stratégies pour faire vivre la culture et pour la propager. Mais on ne peut pas avoir non plus une culture sur ordonnance. On ne peut pas dire, décréter que l'espace atlantique demain va avoir une identité culturelle. C'est rêver. Et la culture sur ordonnance, de toute façon, provoque toujours les contre-cultures qui, parfois, sont beaucoup plus fortes que la culture elle-même qu'ils viennent contester. Merci beaucoup, Assia. Nous allons revenir sur les stratégies dans un deuxième temps. Mais là, je voulais justement faire une transition, puisqu'on parle de dialogue atlantique, vers votre parcours à vous, Paulo, du Brésil jusqu'à la France. Est-ce que vous avez constaté, dans ce voyage transatlantique, aujourd'hui, la culture que vous observez depuis la France, la culture d'Amérique latine, la culture d'Afrique, qu'est-ce que vous pensez de notre connaissance mutuelle via la culture? Où on en est, où le constat aujourd'hui? J'ai la faiblesse de croire qu'il n'y a pas de convergence entre les trois continents, Amérique, Europe et Afrique. Pas de convergence durable, si ce n'est sur la base d'une culture partagée. Les échanges économiques sont indispensables. Ils ont des intérêts à court terme, des intérêts immédiats, des intérêts locaux. Ils ne produisent pas une culture qu'on partage, une connaissance. Nous vivons une époque où, pour des raisons plus qu'évidentes, il y a une méfiance généralisée des politiques dans les trois continents. Il faut quand même se dire qu'il y a quand même quelques échecs, quelques faillites, n'est-ce pas, des élites politiques dans les trois régions. Quels échecs, par exemple? Je pense que les indépendances africaines n'ont pas satisfait les espérances suscitées. La démocratisation en Amérique latine, pareil, elle est quand même l'unification de l'Europe est en panne. Bref, sans parler du grand méchant loup en ce moment, je préfère ne pas citer son nom, mais c'est évident que en ce moment, la politique bat de l'aile. Et c'est peut-être temps de remettre en premier la culture, c'est-à-dire de se dire que, en fin de compte, la culture englobe l'ensemble. C'est avec une vue humaniste, c'est ça qui résume l'ensemble des valeurs et des connaissances que nous pouvons partager. Et la culture s'incarne en des gens, et s'incarne pas seulement en des créateurs que nous pouvons apprécier
lors d'un spectacle, d'un festival, ou que nous pouvons apprécier lorsque nous lisons un roman, elle s'incarne aussi en termes de recherche, de connaissances. Et ces jours-ci, où en général c'est l'optimisme qui prévaut, moi, peut-être que parce que c'est ma nature contradictoire, je me suis chaque fois plus rendu compte que j'étais pessimiste sur cette convergence transatlantique. Pourquoi ? Question simple, banale, par exemple. Dans mon pays, au Brésil, combien de spécialistes ou de connaisseurs de l'Afrique ? Hein ? Je peux inverser la question. En Afrique, combien de spécialistes ou de connaisseurs de l'Amérique latine ? Pareil, zéro. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse, puisqu'on ne se connaît pas, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas des gens qui travaillent sur la longue durée pour accumuler des connaissances sur nos régions. Comment voulez-vous qu'il y ait une vraie convergence ? Il ne suffit pas de quelques spécialistes de marketing dans des entreprises pour se dire, voilà comment on va faire avec tel marché ou tel marché. Excusez-moi, ça c'est très intéressant pour les entreprises en question, éventuellement d'ailleurs pour les consommateurs, mais ça ne crée pas des liens durables. Ça ne fait pas une culture partagée. Et c'est pour ça que sur le court terme, je suis très pessimiste. Je ne vois de possibilité qu'à long terme, si, contrairement à ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a davantage d'échanges humains, et notamment d'échanges des nouvelles générations, d'échanges d'étudiants. S'il n'y a pas quelque chose comme, par exemple, le programme européen Erasmus, n'est-ce pas, qui a créé dans les nouvelles générations, dans la jeunesse européenne, une vraie conscience de ce que c'est que l'Europe, s'il n'y a pas un programme équivalent Erasmus transatlantique, nous ne créerons pas une génération qui sera porteuse d'un projet de convergence dans cet espace. Cet espace restera virtuel. Et excusez-moi, mais par téléphone, on n'acquiert pas la même connaissance que par l'étude, par la recherche, par la concentration, etc. Hein, ça, la culture Wikipédia, ce n'est pas la culture encyclopédique, excusez-moi. Donc, je crois qu'il faut que des étudiants, mais pas quelques individus, quelques dizaines d'élus, d'heureux, mais des milliers voyagent et fassent une partie de leurs études dans les autres régions. Il faut qu'ils tissent des liens intellectuels, des liens affectifs, des liens culturels, qu'ils se sentent concernés, portés par ce projet, qui se disent qu'effectivement, par exemple, entre le Brésil et l'Afrique, il y a une histoire connectée. Mais aujourd'hui, cette histoire est désincarnée, messieurs, dames. Excusez-moi de le dire. L'Atlantique est un vide. Hein, c'est comme l'Atlantide, ça s'est effondré, ça a disparu. En réalité, il n'y a pas des gens qui sont des agents de cette convergence. Je crois que pour nous tous, je suis un peu vieux déjà, pour nous tous, c'est fini. C'est les générations suivantes qui pourront porter ce projet, et donc les étudiants en particulier. Mais encore une fois, est-ce que dans les institutions internationales ou régionales existantes, est-ce qu'il y a cette volonté ? J'ai assisté au sommet des Amériques au Panama il y a quelques années. Il y a une sorte d'Erasmus des Amériques qui a été mise en place. Que je sache, il n'est pas sorti du papier. C'est-à-dire que même sur l'hémisphère occidental, comme disent les Américains, c'est-à-dire même sur les Amériques, cet échange ne s'est pas élargi. Il n'y a que les privilégiés qui peuvent aller faire des études aux États-Unis. Donc, mais de manière plus générale, combien de Brésiliens ou combien de Latino-Américains viennent faire des études en Afrique ou s'intéressent à l'Afrique, et inversement, combien vont faire leurs études là-bas ? Combien d'hispanophones ou de lusophones, à part ceux des pays qui étaient anciennement colonisés par le Portugal, existent-ils en Afrique ? Sont-ils capables de faire la recherche ou des études sur ce plan-là ? Je crois qu'il faut miser sur l'avenir. Et l'avenir, c'est les nouvelles générations, c'est les étudiants. Et massivement, il faut arrêter de se contenter des flux actuels d'étudiants et des quelques bourses. Et encore une fois, et parfois avec les contradictions comme celle de la France en ce moment qui veut augmenter
les frais de scolarité des étudiants étrangers comme si c'était ça qui allait attirer davantage d'étudiants étrangers. Ils sont un peu tombés sur la tête. Bon, je crois que c'est ça la question. Est-ce qu'on peut envisager un programme, un plan qui fasse que massivement les nouvelles générations n'assistent pas seulement à un colloque comme celui-ci, mais fassent leurs études durablement pendant des mois, pendant des années, dans une région, dans l'autre. Et puisque nous parlons d'espace transatlantique, ça veut dire aussi sortir du purement bilatéral, envisager des plans, des programmes triangulaires, par exemple, que les universités envisagent pas seulement des partenariats entre deux pays, mais éventuellement des parcours académiques qui passent par différents pays de ces trois régions de façon à envisager des problématiques qui sont d'un intérêt commun, qui sont pertinentes et qui surtout sont capables de favoriser un avenir commun. Je crois que si on ne va pas dans une direction comme ça, on continuera à ressasser le passé, le présent, les impasses, les potentiels, ceci, cela, mais on en restera là et dans le, non pas le septième rencontre, mais dans la quatorzième, on dira la même chose. Alors, non, Paolo, je voudrais peut-être revenir un petit peu sur le passé, si vous le permettez, pour comparer l'optimisme des années post-indépendance africaine avec le constat pessimiste d'aujourd'hui. Si on revient, par exemple, en 1977, à la deuxième édition de ce fameux festival des arts nègres qui avait été créé par Senghor, au Nigeria, il y a eu un deuxième festival où, justement, dans cette approche triangulaire, le gouvernement nigérien avait invité des musiciens et artistes africains, mais aussi James Brown des États-Unis et aussi votre compatriote Caetano Veloso et Gilberto Gil. Et je me souviens, j'ai parlé avec Caetano qui m'a dit « mais c'était extrêmement intéressant pour nous d'aller en Afrique, au Nigeria, et de passer un mois à échanger en studio avec Fela Kuti et les musiciens africains parce qu'on s'est rendu compte que c'était la même rythmique qui s'était propagée ». Alors, pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui à ce constat d'échec alors qu'il y avait une volonté politique très affirmée dans les années 60 et 70 de rapprocher les cultures? Il y a eu un quart d'heure de gloire du tiers-mondisme. Hein? Il est passé à belle lurette, je crois. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de la survie de ce qu'on appelait avant le tiers-monde. Comment, dans un monde globalisé, nous allons faire, non seulement pour résister, survivre, mais éventuellement pour avoir notre place dans le monde. Moi, je crois que la seule façon, c'est par la convergence régionale, par la coopération internationale. Si face aux forces centrifuges qui veulent la fragmentation du monde, on n'arrive pas à trouver des points de convergence, de regroupement, nous sommes fichus. Or, cette nécessité, par exemple, en Europe, de l'Union européenne, je l'ai trouvée très forte au Luxembourg, une fois où j'étais dans un colloque, pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que dans un petit pays comme le Luxembourg, il n'y a pas de doute qu'il faut l'Union européenne pour survivre. En revanche, vous savez bien qu'en France, il y a beaucoup de souverainistes, parce qu'ils croient encore que peut-être que la France toute seule, elle a des chances. En Amérique latine, c'est la même chose. Il n'y a pas plus souverainiste que les Brésiliens. Ils croient qu'ils sont aux BRICS et ils vont peut-être avoir leur place tout seuls. Or, en réalité, s'il n'y a pas de convergence régionale, continentale, et la création de liens durables, ce qui veut dire, et j'insiste, pas uniquement le commerce et l'économie, mais la culture et pas l'idéologie. Parce qu'en Amérique latine, on a en quelque sorte voulu compenser l'absence d'échanges réels, n'est-ce pas, par l'idéologie. Et on est arrivé à une fragmentation absolue, totale, maintenant, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'est ça la question. Faut réfléchir aux expériences récentes, pas seulement celle du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais celle d'il y a 50 ans, celle d'il y a 40 ans, celle du début du XXIe siècle, et se poser la question de, bon, comment, devant les défis de cette phase de la mondialisation, quel avenir pour nous? Est-ce que c'est le chacun pour soi, ou est-ce que c'est par des regroupements sur des bases
commune, discuter, négocier, élaborer en commun. La culture, c'est ça aussi, parce que la culture, c'est aussi le vivre ensemble. C'est la base du vivre ensemble. C'est de respecter la diversité et en même temps d'admettre que nous avons des choses en commun. La culture, c'est pas seulement la littérature, les concerts, etc. C'est, à la base, c'est l'éducation. S'il n'y a pas d'éducation qui propage des idées de ce genre, et si, encore une fois, elle n'est pas incarnée dans les nouvelles générations, nous en resterons au même point. I want to stay within the Lusophone world, but we're switching to English. And Vasco, you're one of the main decision makers in your country. And since we've talked about what has failed, we spent a lot of time speaking about what has failed. Could you perhaps give us an example in your specific area of something that has succeeded? Because we were talking about the diaspora and the importance of also bringing in the diaspora living in, say, the United States or Canada, you know, what has actually succeeded from a cultural perspective and on a government level in your area? Well, thank you, Claude, and thank you for having me. I think there is a need to answer to the question that brought us here about the role of culture. I think we have to separate two different perspectives. The one of culture itself has a value, and it is pretty much important. Mm-hmm. But also, the culture has an instrument. And that brings us to the economics of culture and the relevance it can have from an economical point of view. For a political decision maker, both perspectives are relevant. And that's what we've been trying to do in our case in the Azores. We have, indeed, a very numerous Azorean diaspora in the New England area and also in California. And we think they are the best ambassadors of Azorean culture and Portuguese culture in their welcoming areas. So, but what we are facing right now is the fact that we have second and third generation. How can we maintain the link between the Azores and those communities? Because they are important for us. They are important not only to promote our culture, to have our presence there, but also because they are the best ambassadors to promote the region in their development goals right now. So one of the main issues is this idea of exchange, of bringing second and third generations, programs that bring young people. They don't have any knowledge of the land where their fathers or grandfathers came to the U.S., but through culture, through these exchange programs, bringing them to the Azores is a very good way, at least in our case it's been working, to get them to know this reality. So can you give us an example? Because American culture is so dominant. So if you were born and raised in America, if your parents or grandparents came from the Azores, you still are subjected to American culture. So how specifically do you... Literature, for example, is one of the areas beside this exchange program related to youth, is one of the areas where we are acting. Not only having support programs for this exchange of youth, but also in what's related with literature. Mm-hmm. This idea of culture as an instrument, I think it has not probably right now a very specific role in this dialogue between the margins of the Atlantic Ocean. But it has a very strong potential. A very recent UNESCO report about, let us say, the economics of culture demonstrates exactly
what it represents right now worldwide. We're talking about an area that's worth 6.1% of global wealth, that employs more people between the ages of 15 and 24 than any other sector. So there is this, a very strong potential for policy making to take advantage, to use this potential to promote this connection. There won't be an Atlantic culture, but the knowledge, the usefulness of promoting through culture this knowing each other, accepting diversity, I think it's a value itself, but also is a very powerful instrument for the development of countries. Vashkar, I wanted to push back a little bit on that UNESCO report, which I also read, and it was published about a year ago, right? Exactly. About the cultural industries exactly. worldwide. But one of the things that came out, which to me stuck out like a sore thumb, was the discrepancy between the Western world and, say, developing countries, right? So if cultural industries represent about 6% of economies globally, in many developing world countries, the number was a lot lower. Exactly. So as somebody who, again, is a major decision maker, how do we bridge that gap? Because, again, if we're talking about Hollywood, if we're talking about the French Ministry of Culture and the way they promote culture, that's one thing. But what about our cash-strapped developing world nations? Well, it all comes to leadership policies and allocating resources to development of this area. In our case, our regional budget, we have 2.3% of the budget directed to culture. And the idea is also to use this tool. So it's, I think, and I agree with my, it's a question of leadership, policy making, and having clear options about the importance of that culture can have in promoting these goals, not as a value itself, yes. but also as a tool. I think Asya wanted to add something. Well, I would like just, moi j'aimerais rebondir sur cette question, mais D'accord. également sur une remarque de Paolo, car on oublie trop souvent dans l'accélération de l'histoire actuelle que la culture a besoin du temps long. Et les gens sont pressés, n'ont pas de temps. C'est toute la dramatique, le mismatch entre la nécessité d'avoir le temps long et doux. Je voudrais réagir très brièvement à la problématique de la diaspora et de la problématique des générations, parce que vous me dites qu'il y a tant de pourcentages dans les industries du Nord, mais combien sont consacrés justement aux enfants d'immigrés et à leurs problématiques propres ? Quand moi j'avais fait, quand on avait fait le panel sur le dialogue des cultures et des peuples dans l'Euro-Méditerranée, à la demande de M. Prodi, on s'était penché sur cette problématique et on s'aperçoit que la problématique des banlieues, des sauvageons, comme aurait dit quelqu'un, eh bien elle est d'abord due à cette perte de culture. Parce qu'ils perdent leur culture d'origine ou quand ils la connaissent d'une manière biaisée, parce que les premières générations d'émigrés, il faut le reconnaître, étaient issus tout de même de travailleurs, souvent incultes, et ne pouvaient pas véhiculer la culture d'origine, qui est quand même assez sophistiquée parfois, et ils n'ont pas pu acquérir la culture d'origine, car le phénomène d'intégration n'a pas eu lieu. Donc c'est ça le problème de ces diasporas. Alors évidemment, heureusement, nous avons quelques rescapés, et nous avons des brillantes réussites, mais la grande masse, et c'est là. Et permettez-moi de revenir donc sur la problématique actuelle qui, à mon sens, est beaucoup plus grave que cela parce que nous faisons face à des défis majeurs. J'ai dit le premier, c'est le temps long que plus personne n'a. Le deuxième défi, c'est quand même les trends qui sont fondamentaux dans la problématique de la culture. Nous sommes confrontés à un couple antinomique, à la fois la tendance à l'uniformisation à travers les mass médias, à travers les consommations, à travers la culture des jeunes, et parallèlement, nous voyons une aspiration extrêmement forte à la différenciation. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on convoque la culture et le sacré comme mode de contestation de l'ordre établi, qu'il soit national ou international. Et cette contestation se fait dans quoi ? Dans la violence, dans la fragmentation, et va attiser et mettre l'huile sur le feu des tendances parallèles qui se développent.
c'est-à-dire la radicalisation, la xénophobie et l'islamophobie en Europe et en Amérique, et aussi la radicalisation et la polarisation dans nos sociétés du Sud. Donc nous sommes en face tout de même de défis extrêmement graves qu'il faut justement combattre, mais on les combat comment quand vous avez le tsunami de la culture qui n'homogénéine qu'en apparence, parce que ça reste quand même en surface. Elle ne s'adresse pas justement dans nos pays à la problématique réelle des jeunes. Et on va beaucoup s'en emparer et croire qu'à travers ce replâtrage, on va se positionner dans les trends du temps. Et c'est pour cela que c'est très compliqué et qu'il faut impérativement que nous, on continue malgré tout de faire ce que nous tâchons de faire, en tout cas au Maroc. Et je souhaite que la multiplication des événements, cette prolifération des festivals, cette mushrooming of all the events, je ne veux comme exemple que le dernier festival du film à Marrakech, c'est quand même un vecteur fondamental d'hybridation et d'un meilleur vivre ensemble. Pourquoi ? Eh bien, l'étoile d'or a été donnée à une Autrichienne qui est d'origine iranienne immigrée, et le sujet du film est sur les misères et les drames que vit une migrante nigérienne livrée à la prostitution. Donc ça peut changer les regards, car notre drame fondamental, c'est les perspectives et les regards biaisés qui sont ancrés et qu'il faut combattre. Il faut changer le regard d'abord de nous sur nous, entre l'Afrique et l'Amérique latine, et aussi entre le Nord et le Sud. Donc je vois cette formidable puissance de la migration des diasporas, et qu'il faut que nous continuions à encourager les festivals, je l'ai dit déjà, de musique du monde, des musiques, des arts, les foires contemporaines. Elles apportent quand même un petit répit qui vient nous consoler, nous réassurer, et qui quand même nous ouvre sur le reste du monde, même si l'asymétrie, hélas, reste quand même très présente, et qu'il faut que nous nous dotions également de la problématique digitale pour pouvoir survivre dans un monde qui de plus en plus nous échappe et que nous ne pourrons pas contrôler. Donc participer à quand même des fiestas de temps en temps, ça fait du bien que tout le monde soit de la fête et que nous fassions cela. Donc je suis moins négative que Paolo, même si je pense que la convergence n'aurait pas lieu, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette prolifération d'événements qui, contrairement à ce que des esprits malveillants ont dit, que c'est de la diversion, c'est quand même fondamental. C'est le quotidien des gens. Ils ont envie de faire la fête, de sortir à Mawazine, à Souera, à Fès, la musique du festival sacré. Et au Maroc, je crois que le Maroc donne beaucoup d'exemples dans ce domaine et réussit déjà à fédérer le continent africain. Je regrette, hélas, que nous n'ayons pas autant d'échanges avec le continent sud-américain, parce qu'il y a aussi la barrière des langues. Qu'on le veuille ou non, le métissage et l'hybridation passée, aussi douloureuse soit-elle, a été quand même créatrice de langues véhiculaires communes. Le français, l'espagnol, un peu d'anglais, et on arrive tout de même aussi un peu à nous parler. Et donc c'est important peut-être qu'on multiplie ça, mais on ne peut pas faire l'économie des moyens physiques, d'infrastructures, de transport. Et je, encore une fois, pour donner l'exemple du Maroc, et vous veuillez me pardonner, le Maroc fait des efforts énormes dans ce sens. C'est Royal Air Maroc qui va en France, c'est Royal Air Maroc qui va au Brésil, c'est Royal Air Maroc qui va à Miami, en Amérique, qui va partout en Europe, pour justement rapprocher. Bien sûr, nous voulons des touristes, mais nous voulons aussi des échanges humains. Et je crois que c'est fondamental de mettre les gens ensemble si nous voulons vivre ensemble et ne pas vivre dans le virtuel et être naïfs et croire que quelques bonnes expositions ou foires culturelles vont réellement cimenter tout cela. Il faut le support économique, il faut le support des infrastructures pour vraiment ancrer et cimenter, rapprocher l'Espagne du Maroc, passe aussi par la multiplication justement des moyens de communication et aussi d'apprendre l'espagnol. Et là, je rends aussi hommage à la culture et à la... l'effort que fait l'Espagne pour la propagation de l'espagnol au Maroc, puisqu'ils obligent les parents à apprendre l'espagnol. Donc ça rapproche aussi. Et eux, ça leur permet aussi d'avoir un regard différent sur la société à laquelle ils ont affaire.
Donc changer les regards est fondamental, mais on ne peut pas les changer d'une manière superficielle. Il faut qu'ils soient sur du solide, sur de l'économie, sur des industries, sur, encore une fois, l'échange de recherche et développement, d'éducation, d'échange d'étudiants et de savoir. Je voulais juste rappeler, merci beaucoup Assia pour ça, qu'au Maroc, en fait, il faut aussi tenir compte du rôle très important de la diaspora entreprenante marocaine. Absolument. Ici même, au mois de février prochain, se tiendra la deuxième édition du Festival 154 qui a été créé par votre compatriote marocaine, Touria El Glaoui, qui a créé cette foire d'art contemporain à New York. Absolument. Avant ça, c'était à Londres et maintenant à Marrakech. Donc c'est très important de voir ces returnees, ces repats ou ces diasporas qui veulent aussi s'impliquer culturellement dans le développement créatif des industries de leur pays. Alors je voudrais maintenant passer aux questions. Il nous reste 20 minutes parce qu'il faut absolument qu'on arrête à midi et quart, m'a-t-on dit. We have a hard stop at 12:15, so we have about 20 minutes for questions. The questions are supposed to show up on my screen, but I don't see them. So maybe we will have to go and do it old school style and have a roving microphone. If we have a first question here on the front row. In French or English, whatever you prefer. Je vais parler en français. Jawad Kertoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Paolo. Franchement, je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a dit. Je voudrais juste dire, est-ce que le monde transatlantique n'est pas un trop grand format? Parce que qu'est-ce qu'on voit dans ce monde transatlantique? On voit les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique. Avec le Nord assez uni, l'Europe et les États-Unis, et le Sud, malheureusement, l'Amérique du Sud et l'Afrique, qui sont encore pas tellement unifiés. Alors ma question, Monsieur Paolo, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà commencer par étapes, déjà essayer, pour ce qui est de l'Afrique, d'unifier culturellement l'Afrique. Ensuite, également, là, comme vous avez dit, même en Amérique du Sud, il n'y a pas eu cette unification culturelle, du fait également des visas. Personne n'a parlé. Comment voulez-vous qu'il y ait effectivement des échanges de personnes si pour voyager, il faut passer des jours et des jours pour obtenir le visa? Donc, ce que je dis, commençons déjà par étapes et effectivement, il faudrait par la suite ça soit le temps long qui arrive à faire cette convergence culturelle. Merci. S'il vous plaît, monsieur, vous voulez bien vous présenter avant que... Je l'ai déjà fait, je le refais. Oui. Jawad Kertoudi, président de l'Institut marocain des relations internationales qui a son siège à Casablanca. Merci. Oui, volontiers. Oui, c'est certain que il faut partir de ce qui existe déjà. Et d'ailleurs, je pense que les institutions, celles de l'Union africaine, l'Organisation des États américains, qui est quand même ce qui reste des différentes entités créées ces dernières années dans les Amériques, l'Union européenne, comme on dit avec cet euphémisme tellement français, elles ont le mérite d'exister, n'est-ce pas? Et donc, il faut essayer quand même d'en tirer quelque chose, d'y introduire, par exemple, de leur inoculer davantage le souci de la culture et de l'éducation, n'est-ce pas? Et je crois que c'est un point de départ. Mais cela n'empêche pas qu'éventuellement, on commence aussi à faire des échanges avec les autres régions. Parce que je crois que chaque converti de la nécessité d'un rapprochement ou d'une meilleure connaissance de l'autre continent est par la suite un agent, disons, de propagation de cette convergence, n'est-ce pas, que nous souhaitons. Je pense que la planète,
ici même, on le disait l'autre jour, marche vers un grand conflit États-Unis-Chine, dans lequel les autres risquent d'être tout simplement les spectateurs ou les victimes du chaos que cela va provoquer. Donc, les regroupements, les convergences, à l'échelle même plus large qu'un continent, ne sont pas de trop. Hein, par exemple, d'ailleurs, pour certaines questions sur le climat, il a bien fallu quand même que l'ensemble de la planète se mette d'accord, même si maintenant, il y en a quelques-uns qui se retirent ou qui sont réticents ou qui ne respectent pas les normes envisagées. Donc, je crois que sur certaines questions, il faut effectivement aller plus large, plus loin. Je pense que il faut marcher avec des regroupements et des convergences à géométrie variable aussi, selon cette espèce de terme créé, je ne sais pas, quelque part entre Bruxelles et Paris, n'est-ce pas, pour tenir compte de la réalité des accords et des désaccords existants entre les différents pays. Je crois qu'en Afrique, il faut procéder de la même façon. C'est-à-dire que s'il y a au sein de l'Union africaine des pays plus convaincus que d'autres que ces questions-là sont importantes, eh bien, un regroupement formel ou informel, comme vous voudrez, pour faire avancer ces choses sont fondamentales, n'est-ce pas? Et toutes les initiatives dans ce domaine sont les bienvenues. J'ai organisé ou co-organisé énormément de festivals de cinéma au cours de ma vie professionnelle, donc je ne sous-estime en rien l'importance de ces événements. Ils sont fondamentaux, mais ils sont aussi souvent éphémères, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de continuité. Et donc, il faut travailler dans tout ce qui crée un lien et crée une continuité et qui donne une suite, n'est-ce pas, et qui prépare, j'insiste encore, l'avenir. Et là, on n'en sort pas, il faut se poser la question de l'éducation. Il faut absolument revenir aux, ce que j'appellerais, les fondamentaux de la culture, n'est-ce pas? Avant qu'il y ait une exposition d'un grand maître de la peinture, je dirais l'éducation artistique, la pratique artistique à l'école. Il faut former le public avant de penser à former le créateur. Le créateur, il apparaîtra. C'est-à-dire le plus doué, il en fera sa carrière, sa vie, son métier, sa passion, ce que vous voudrez. Mais il faut aussi préparer le public. Or, la pratique de l'art à l'école, c'est la préparation du futur public et en même temps, c'est l'amélioration de cet être humain. C'est le faire sensible à autre chose, n'est-ce pas? L'expérience existentielle ne se limite pas à ce qu'on vit directement, mais aussi à ce qu'on appréhende par la vue, à ce qu'on appréhende par la lecture, par l'intellect, par la vision. Donc, c'est là où l'art n'est pas un supplément d'âme. L'art, c'est l'essence même de l'amélioration de l'humanité. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut le mettre au centre et non pas dans les marges ou en dernier lieu. Merci beaucoup, Paolo. Avant de prendre la deuxième question de la salle, je vais lire une question qui vient d'arriver sur mon écran, puisqu'il faut quand même que je m'en serve. Elle est en anglais. So the question that just came is in English, and it's this is it. Is the hybridization of culture and language a problem or the inevitable environment of cultural engagement? So maybe, Mohamed, I would love for you, given your experience as a practitioner in this field, to answer that question, which I'm going to read again. Is the hybridization of culture and language, hybrid cultures, right? The hybrid cultures and languages, a problem or the inevitable environment of cultural engagement? Well, if you allow me, I would like to make a quick remark about what we were talking about earlier. I think we tend not necessarily to forget, but to overlook the marginals. You know, it's nice to have lots of events, cultures, etc., but we tend to forget the fundamentals, the basics, the children.
That's why I agree totally with Paolo. We must cater to prepare the consumers of culture, both national and whatever comes from outside. That's why I insist on institutions, mm-hmm. you know, schools of fine arts, today digital libraries, etc., etc. Now, what about the language? I think it's both, frankly. There are no barriers anymore in the world today to stop being influenced and being an influential element between peoples and between cultures. And the language is a fundamental issue. I think now, I think now what is at stake, particularly in our part of the world, in the South, many languages are just being underestimated. And I'm talking about cultures, languages with a lot of great creative foundations, like the Fulani, like the Hausa. You know, the vernacular languages are being decimated. They are not vernacular languages, I'm sorry. This is an invention of the colonial systems. Right. You know, national languages became vernaculars. Mm-hmm. There's nothing called vernacular. You know, if you go, for instance, the Hausa is not a vernacular. It's a language spoken by like 50 million people. Right. Yeah. So a vernacular language is not spoken by 50 people. And other languages. So the language is a fundamental issue today in the world. In fact, it can be an element of wars, like what's happening between the Flamands and the... However, when it comes, we must, I think, Madame Alawi was talking about, rightly, about the identity and the molding of the self-reliance, let's put it this way, to revise its own nation, its own culture. I think within that culture there's the language. Mm-hmm. You can't take it away. And this is a big struggle in the world today. English is becoming a dominant language. The French was before in our part of the world. somebody said one of the gaps in existence in the Atlantic is the language. You have Spanish and Brazilian languages. On this side here, very little Spanish and little Portuguese. The rest is national languages and French and English and etc. So I cannot frankly draw a line mm-hmm. to say that the dominant factor will be either keeping its own language or mixing reaching out to other languages. This is a human natural process which takes place because of so many mechanisms. Today, everybody is learning some English, for instance, mm-hmm. through the smartphones. Exactly. Yeah. The input is English. It's used in every language. This is Chinese coming in, by the way. You know? Mm-hmm. Chinese is now becoming a la mode. So, I'd like to take here. Another question, maybe from this side. Yes, the front row here. In French or English? Is there a microphone? Yes, thank you. My name is Daniel Nahon. I'm professor at Marseille University. La première des choses, c'est qu'on assiste à un débat excessivement intelligent. Et je vous en félicite. Je voudrais apporter ma modeste contribution de scientifique. Un scientifique cherche le fait scientifique, c'est-à-dire ce qui est. Et on est souvent, lorsqu'on voit le fait sociétal, c'est ce qui doit être. Et ce n'est pas toujours compatible. D'où cette grande méfiance entre scientifiques et le reste des citoyens. Et je pense sincèrement que la culture est un trait d'union indispensable parce qu'elle est encline à la tolérance.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mme Malawi et M. Paranagua. M. Paranagua, j'ai été président du CAPS COFECU pendant 10 ans. Et ce qui m'a profondément plu au Brésil, c'était ce syncrétisme culturel. Alors, vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé d'Europe. Lorsque j'ai eu la chance de travailler aux côtés de M. Jospin, et un jour je lui ai dit, on a fait une grave erreur pour l'Europe. L'Europe s'est bâtie sur le charbon et l'acier. On aurait dû commencer à bâtir l'Europe sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. On aurait aujourd'hui en Europe, on serait à la 4e génération de jeunes citoyens qui parlent plusieurs langues et qui ont saisi la culture des autres pays européens. Et je pense qu'on ne serait pas dans la même, méfiance vis-à-vis de l'Europe. On aurait tout changé. Et dans l'éducation, c'est très important. L'université est importante. La preuve, c'est qu'on trouve dans les universités, et même dans l'université de São Paulo, un aspect culturel excessivement important. Vous avez des orchestres symphoniques, vous avez des musées, vous avez des... Il y a des festivals de musique, de théâtre, etc. Et donc, je crois qu'à travers l'éducation, on pourra sûrement aboutir à beaucoup de choses. Un dernier point, c'est vrai, madame, que la culture va beaucoup moins vite que le réchauffement climatique. Le réchauffement culturel est hélas beaucoup plus lent et moins universel. Mais néanmoins, il faudra du temps, mais je pense qu'on y arrivera. Vous avez un exemple vivant au Maroc qui s'appelle M. Fouad Laroui, qui est l'homme qui représente peut-être la culture croisée entre l'Afrique du Nord et l'Europe la plus évidente. C'est un poète qui parle en néerlandais. C'est un monsieur qui explique qu'il a failli avoir le prix Goncourt et qui est d'une grande, grande culture, bien que scientifique. Et c'est un homme d'une grande puissance grâce à ça. Voilà, quelques remarques. Est-ce que quelqu'un, Assia, voulait rebondir éventuellement sur... Moi, j'aimerais... On n'a pas parlé beaucoup des supports et des acteurs de la culture. C'est fondamental. Bon, j'ai dit qu'il faut des stratégies, que l'État a bien sûr son rôle à jouer. Mais ceux qui ont un rôle fondamental à jouer, ce sont les villes, car la culture est d'abord une culture urbaine. Et de ce côté-là, encore une fois, il y a certains motifs pour se réjouir des petites percées, notamment Marrakech, qui est quand même la ville de la culture africaine pour 2020, et l'institutionnalisée de Afrique Cities, qui ont décidé, sous l'impulsion et la recommandation de Sa Majesté, de faire des villes sans enfants de rue. Ça, c'est fondamental aussi pour la perception culturelle et pour la manière de vivre les villes. Alors, aux côtés des territoires et des villes, nous avons bien entendu les sociétés civiles et les ONG qui doivent jouer un rôle fondamental, et elles le font, mais dans des domaines substantiels. L'accueil des immigrés, comment les faire insérer, comment leur produire aussi tout ce que nous pouvons partager avec eux. Encore une fois, je prends l'exemple du Maroc. Ils viennent au secours d'une politique migratoire, certes, extrêmement généreuse, mais qui a quand même un peu de difficulté à s'inscrire dans la réalité. Donc les ONG, c'est fondamental, et bien entendu, toutes les institutions éducatives, etc. Donc nous avons besoin de la durabilité et de la visibilité. Et ça, les institutions de jumelage de cette prolifération, justement, d'événements, mais qui sont soutenues par des institutions et par des partenariats entre les ONG. Et ce qui est intéressant, les ONG du Nord et du Sud qui se mettent ensemble pour s'attaquer à des abcès, à essayer justement d'exorciser un peu des maux. Je ne donne qu'un exemple fondamental et douloureux. Regardez la problématique de l'excision en Afrique. Eh bien, avant, c'était perçu comme une intrusion parce que c'était des ONG occidentales et tout ça qui venaient nous faire la leçon. Eh bien, maintenant, c'est pris à bras-le-corps par les Africains eux-mêmes. Donc, ce qui est important, c'est justement, encore une fois, cette appropriation, mais durable, visible.
Et il y a quand même assez d'exemples qui peuvent essaimer et qui peuvent faire des petits et qui peuvent justement rapprocher les tendances sans, encore une fois, rêver d'une convergence, encore moins d'une identité commune au sein de l'Atlantique. D'accord. On nous rappelle qu'il nous reste 5 minutes. Là, c'est maintenant que 4 minutes, donc on a le temps pour une dernière question. Là-bas, de l'autre côté. Vous, monsieur, s'il y a un micro qui peut aller de ce côté-là. Merci. Une question et pas une contribution, parce qu'il nous reste 3-4 minutes. Merci. Ça va être les deux, mais c'est très rapide. C'est très intéressant. Ma première observation, c'est que, au-delà des contributions très pertinentes, je remarque que culturellement, le panel est un peu old school. La culture, c'est aussi la jeunesse. Je vois très peu de jeunes, alors que ce sont des acteurs qui sont plutôt en fer de lance lorsqu'on parle de culture. Aussi, j'ai perçu beaucoup d'identité dans les échanges, alors qu'aujourd'hui, il y a une identité globale qui émerge. On a une génération de jeunes qui ont souvent vécu la moitié de leur vie en dehors de leur pays, qui ont vécu sur 4 continents et qui ne parlent même plus leur langue maternelle. Et c'est une identité globale qui émerge avec sa propre culture. J'ai pas perçu ça dans les échanges. Donc j'aimerais un peu savoir l'opinion de certains panélistes sur cette identité globale qui est une culture en elle-même. Je vais laisser l'un des panélistes répondre, mais je me souviens qu'avec Vasco, on avait parlé de la diaspora des Azores qui était au nord-est, en Californie, aux États-Unis et aussi au Canada. Et à travers la littérature, on essayait de tisser des liens intergénérationnels, transculturels, entre ceux qui étaient à l'étranger et ceux qui sont encore au pays. Donc j'aimerais que quelqu'un puisse répondre à cette question. Qui est-ce qui voudrait répondre ? Très brièvement, d'un mot, si vous me permettez. Moi, je crois qu'au contraire, il y a beaucoup d'attention qui est donnée aux jeunes. Il y a énormément de festivals qui sont portés par des jeunes. Je n'en veux que, par exemple, le festival du Boulevard, porté par Momo, qui est vraiment un festival de rue. On n'a pas beaucoup parlé non plus des différentes formes de culture. La culture savante, la culture populaire, la culture primaire, la culture secondaire, la culture de masse, les contre-cultures. Enfin, on n'a pas le temps, malheureusement, d'entrer dans les détails. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on fait une erreur. La culture populaire était justement dévalorisée. Maintenant, on est en train de revaloriser à la fois à travers Darija, l'utilisation, par exemple, au Maroc, de la langue parlée, qui est un support extrêmement fort. On oublie qu'en Afrique, la culture passe par l'oralité. Et on a vu cette reconnaissance de Jamaa Al-Fna comme patrimoine immatériel de l'humanité. Et par conséquent, la parole est fondamentale. Et les jeunes sont beaucoup dans cette parole. Et on le voit dans leur musique, dans la musique du monde. Ils sont très présents dans cette fertilisation croisée, pour employer des néologismes un peu barbares. Mais je crois qu'ils sont vraiment extrêmement présents, à travers d'ailleurs aussi la contestation qu'ils apportent. Et ils apportent la vie, ils apportent le besoin qu'on les regarde et le besoin aussi de faire. Alors ce qui est très important, et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, c'est que moi je me réjouis de la prolifération des ONG qui précisément s'intéressent aux enfants. Un problème qui a été évoqué et sur lequel nous ne sommes pas, et qui va depuis l'éducation à l'environnement, que nous essayons d'ancrer à travers des écoles pilotes et à travers des expériences, que ce soit la problématique de la récupération des enfants de la rue à travers les cirques, qui sont mis, l'art du cirque, l'art de la danse, l'art de la musique, pour réintégrer ceux qui sont laissés au bord de la route et qui ne font pas partie, si vous voulez, d'une intégration de la société, et qui sont malheureusement parfois des laissés pour compte et qui vont nourrir les enfants de rue, l'émigration des enfants et tout ça. Donc c'est important que la société prenne en charge et reconnaisse ses failles et se mette au service de la jeunesse. Et je pense qu'il y a une très grande appétence pour cette problématique. Moi-même, je connais énormément de jeunes qui m'ont sollicité pour parrainer un petit peu leurs associations qui vont dans ce sens et qui vont, à travers le sport, la musique, l'initiation, l'éducation, complément d'information et de training pour les dropouts, pour leur donner un métier, les insérer dans le circuit économique qui, par définition, leur donnera une confiance et justement des revenus aussi pour être des membres à part entière de la société auquel ils appartiennent.
Donc là, le problème de la jeunesse est fondamental. Est-ce que vous trouvez, donc, Assia, que vous, en tant que dirigeant, ou les gouvernements en général, ou les autorités, ou les décisionnaires, donnent la parole aux jeunes ici en Afrique, en général? Mais on ne leur donne jamais assez la parole. Il faut qu'ils l'apprennent. Il faut qu'ils l'apprennent, et ils le font. Ils le font. Vous savez, on avance aussi par impertinence, par interroger les autres. Et pour pouvoir exister, il faut être visible. Et je crois qu'il y a énormément de mouvements dans ce sens. Alors évidemment, on revient encore aux fondamentaux. Il faut aussi pouvoir encadrer, pouvoir accompagner, pouvoir financer. Maintenant, je trouve qu'il y a un vrai stress sur la société civile parce qu'il y a des competitive claims en scarce resources, si vous voulez. Oui, oui. Tout le monde veut être sponsorisé. Ça va de la pétanque à la, justement aux problématiques des enfants. Et il y a une espèce de dessoufflement dont souffre justement la culture. Parce que souvent, quand on sacrifie, bien on sacrifie d'abord la culture. Et je veux pour preuve la Biennale des Arts à Marrakech qui avait très bien commencé et qui malheureusement a été stoppée faute de moyens. Donc il y a aussi cette mobilisation des sponsors institutionnels, mais aussi un certain essoufflement. Et évidemment, les gouvernements font ce qu'ils peuvent, mais les budgets de la culture des 0,1% anecdotiques, évidemment, n'arrangent pas les choses. La culture a besoin de beaucoup de moyens parce qu'il faut la revaloriser et il faut la redéfinir. Trop de gens la laissent uniquement on the margin. Elle est laissée à l'approche classique, le patrimoine, les arts, les choses. Bien sûr, ça, c'est fondamental. Mais ce n'est pas seulement ça, la culture. La culture doit être vivante, elle doit irriguer toute la société, elle doit être le moteur de la société. Et c'est ces regards de revalorisation, de redéfinition qui va nous permettre de nous réapproprier la culture pour dépasser justement l'identité. Vous ne pouvez vous ouvrir vraiment aux autres que lorsque vous êtes en confiance avec vous-même, que vous avez repris justement votre sort en main à travers votre identité propre et non pas perdu à la recherche. Ce que nous voyons, hélas, pour beaucoup de jeunes en Europe qui sont en déshérence et qui ont perdu les références culturelles et qui n'arrivent pas à se faire de nouvelles références et qui sont très facilement embrigadables. Sur cette note d'espérance et d'optimisme, je voulais remercier et applaudir nos panélistes. I wanted to give a big thank and round of applause to our panelists for this wonderful conversation. Thank you so much for coming. And now you can enjoy lunch. Ladies and gentlemen, we will now break for lunch and reconvene at 2:00 exactly. The lunch side event on China's ascension will be poolside. The lunch side event on Afro Champions will be at the French restaurant. We will reconvene at 2:00. Enjoy your meals.